Bonjour à chacun, à chacune. Non, ce ne sera pas, il était une fois. Bon, je pense que, puisqu'on ne l'a encore pas fait, et il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui le fasse, de penser à un certain nombre de gens qui ont été importants dans la marche et qui ne sont plus de ce monde. Je pense en particulier à Jean Costil, qui a joué un rôle central, puisqu'il a été, on peut dire, le logisticien, et il était marcheur, mais c'est quelqu'un qui avait la tête bien faite et qui voyait les choses très concrètes à faire. Du coup, parfois, il y avait des frictions avec une partie des marcheurs, mais voilà, s'il n'y avait pas eu Jean Costil, il n'y aurait sans doute pas eu la marche non plus, comme un certain nombre de gens, ou d'acteurs. Je pense à d'autres marcheurs qui sont décédés, Bouzid Kara, qui nous avait rejoint à Aix-en-Provence, qui a écrit le premier livre, je crois, sur la marche, peut-être le deuxième, peu importe, qui s'appelait La Marche, qui était son témoignage. Je pense à Farid Arar, qui est décédé aussi, à Farid Lazar, qui est décédé aussi, je pense à Amstar, je pense à René Pelletier, qui était un prêtre, qui à l'époque, il me paraissait très vieux, mais il avait qu'une soixantaine d'années, en fait. Voilà. Qui était porteur de toute une histoire de solidarité avec le monde de l'immigration. Voilà. Puis il y a des tas de marcheurs dont on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Parce qu'on a du mal, on est 40 ans après. Il y a 40 ans, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Et il y a un certain nombre de gens, de jeunes qui ont fait la marche, puisqu'on a été 32 marcheurs permanents, finalement. On avait arrêté le groupe. On n'avait pas les identités de tout le monde, en fait. On avait les prénoms, et puis quand on s'est séparés au lendemain de la marche, de l'arrivée de la marche à Paris, ben on n'a pas forcément pris les numéros de téléphone, les noms. Voilà. Il y a plein de gens qui ont disparu. On serait très content si, à l'occasion de ces commémorations, je ne sais pas, faut appeler les choses, certains réapparaissaient pour savoir ce qu'ils sont devenus. Ce qui est formidable, quand même, c'est que on est quelques-uns à avoir pu garder le contact pendant 40 ans, ce qui est pas mal non plus. En tout cas, les plus proches qui étaient en Lyonnais ou pas très loin, comme Malika. Pour moi, c'est très important et c'est pour ça que je remercie Madame Chopin de son intervention tout à l'heure. C'est très important de réaliser que la marche, elle n'est pas tombée du ciel. Elle s'inscrit dans des histoires. Je dirais qu'il y a au moins une double histoire. Il y a l'histoire de cette jeunesse issue des immigrations postcoloniales qui, à la fin des années 70, début des années 1980, ressent le besoin de dire qu'elle existe. Et qu'elle existe d'une manière particulière parce qu'elle a une histoire qui n'est pas celle des parents ici. Elle est porteuse aussi de l'histoire de ses parents. Et ça a été rappelé, c'est premier groupe de jeunes qui se sont créés, qui n'étaient pas très très nombreux. Ça a commencé par le théâtre, je crois, et puis les groupes de musique, et puis les groupes comme les Armades Prendieu, Gina et là, comme Rock Against Police, avec Maurice et Samir Abdallah en région parisienne, à Nanterre, avec quelques jeunes de Nanterre. Ça, c'est la veine, je ne sais pas comment vous dire, à un moment donné, on disait l'organisation autonome des banlieues, hein, des jeunes des banlieues. Et la marche, évidemment, elle va être le moment où ce besoin de montrer qu'on existe va pouvoir s'exprimer. Et puis il y a une deuxième veine qui est celui des solidarités, qui était très importante. Et aujourd'hui, on n'est malheureusement plus dans cette situation-là, même s'il y a des choses encore qui se font, heureusement, mais il y avait une solidarité français immigré, Farid pourra en parler avec aussi connaissance, puisqu'il a été très impliqué là-dedans, malgré sa jeunesse à l'époque, la Fédération des associations de solidarité qui travaillent immigrés, français immigrés. Et là, il y avait à la fois, dans ces groupes, il y avait beaucoup de chrétiens engagés. On n'était pas dans une époque de déchristianisation comme aujourd'hui. Et puis il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extrême gauche. Et c'était intéressant parce que à la FASTI, on retrouvait aussi bien des gens de la Ligue communiste révolutionnaire, d'anciens maoïstes, et des cathos qui étaient de gauche ou qui étaient du centre. Voilà.
Et ça joue un rôle très important. Finalement, la marche, elle a été la jonction de ces deux courants, enfin, de ces deux moments d'histoire. Et elle se situe à un moment favorable. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait réussir quelque chose comme cela. Un moment favorable, parce qu'il y avait encore, dans l'après-élection de François Mitterrand, l'espoir qu'on pouvait changer la vie, comme il avait été annoncé. On pouvait croire qu'on viendrait désormais à bout du racisme, que les politiques de répression de l'immigration, d'inversion du courant migratoire, comme avait voulu tenter Valéry Giscard d'Estaing, on pouvait penser que cela serait fini. Hein. Puis l'histoire, on la connaît. Voilà, moi c'est ce que j'apprécie le plus. Après, ben moi j'ai eu la chance de vivre avec Jean Postil ces événements. Particulièrement forte. Mais c'est aussi des histoires de rencontres, c'est des histoires humaines. Je n'avais pas eu ce lien, en particulier avec Jamel, quand je me suis retrouvé à être impliqué un peu sur le quartier des Maguettes, j'étais prêtre à Saint-Fond à l'époque, commune aussi. J'ai jamais été curé en titre des Maguettes, mais ça on le sait. C'est... Mais du coup, je suis le curé éternel des Maguettes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés qu'on a oubliés. C'est comme le curé d'Ars, il y a eu beaucoup de curés d'Ars depuis, mais on reste toujours. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important de dire que c'est des histoires de relations humaines. Enfin, s'il n'y avait pas eu des amitiés fortes qui s'étaient créées, qui s'étaient nouées, ben, la marche n'aurait pas existé non plus. Quoi. Il me semble qu'on ne peut pas partir dans des grandes histoires comme ça, dans des aventures comme ça, simplement pour des raisons idéologiques. C'est parce qu'il y a du lien qui se construit. En tout cas, personnellement, tout ce que j'ai vécu, c'est parce qu'il y avait des liens avec des hommes, des femmes qui s'étaient construits. Et ça a été une belle aventure humaine. Alors, je resterai des amis en parler de leur point de vue, mais ça a été une belle aventure humaine entre nous et c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que on a créé un groupe, alors il y avait le noyau de départ des quartiers Montrousseau des Maguettes qui se connaissaient, mais ensuite le groupe a 7 membres des Maguettes, je crois. Et après, il a fallu s'apprivoiser les uns avec les autres. Il y avait ceux qui étaient le groupe du marcheur, il était en gros composé de moitié de jeunes issus des quartiers et moitié de militants adultes qui souvent venaient des mouvances chrétiennes, mais pas seulement. Par exemple, Marie-Laure Mahé, ce n'était pas le cas, et Cécile Durand, ce n'était pas le cas. Donc il y avait ce groupe d'adultes plus ou moins âgés. René Pelletier était plus âgé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et on a réussi à former un groupe très fraternel, ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que je pense que tout le monde y a mis du sien. Ce mélange, je pense que c'est le mot mal choisi, mais enfin, ça fait un véritable mélange qui a permis la réussite de la marche. D'ailleurs, quand vous regardez les images, les films de la marche, ce qui est quand même très, très frappant, c'est le mélange. C'est le fait que vous avez des gens de générations différentes et vous avez des gens d'origine différentes qui sont ensemble. Je ne sais pas si après il y a eu beaucoup d'autres grands mouvements comme ça en fait, où il y a eu un tel mélange visible. Il y avait une espèce de... La marche, elle a réalisé quand même un peu son rêve. Quand vous regardez les images finales, elle a réalisé ce grand mélange qui va devenir plus difficile après. Donc, regardez d'autres rassemblements qui auront lieu plus tard. Un peu Convergence 84 pour l'égalité, il y a encore plus ce mélange, mais moins fort. Quoi. Donc, la marche, il ne faut pas oublier qu'elle était, je ne sais plus ce qui est marqué, là, sur les tracts, vous voyez, le premier document, il est souligné que c'est pour un vivre ensemble fraternel, je ne sais plus quelle est l'expression exacte. Je pense que c'est aussi une des raisons d'un certain succès de la marche. C'est qu'à la fois, elle était porteuse
d'une revendication forte qui était arrêtez de nous tuer. C'est le premier cri de la marche. Arrêtez de nous tuer. Mais en même temps, elle n'était pas co-revendicatrice. Elle ne faisait pas qu'au revendiquer, mais elle était aussi une main tendue à l'égard de Clément. Et cette main, elle a bien été reprise par plein de gens au long de la route, et d'une certaine manière, elle sera reprise, mais sans lendemain, comme on l'aurait souhaité, par celui qui incarnait la République, le président François Mitterrand à l'époque. Voilà. Donc c'est, pour moi, je vais m'arrêter là. La marche, ça a été un grand rêve en action qui a mis des tas de gens en route. Il y a plein de gens qui ont continué pendant les années qui ont suivi à vivre de cet esprit de la marche. Encore aujourd'hui, moi, il m'arrive de rencontrer, je pense par exemple, il n'y a pas très très longtemps, j'ai rencontré le maire de Trappes dans les Yvelines. Il devait avoir 5-6 ans ou 7-8 ans au moment de la marche. Alors lui, il a eu une transmission de la marche par son père qui était un militant communiste et qui lui a parlé de la marche. Donc la marche pour lui est une référence dans son histoire, dans l'histoire de son engagement. Et moi, au long de ces 40 années, j'ai rencontré régulièrement des gens qui m'ont dit bah, la marche, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a donné envie d'être travailleur social, c'est ce qui m'a fait que je me suis impliqué dans les associations. C'est ce qui m'a permis de croire que j'avais une dignité suffisante et que je pourrais arriver à avoir une situation professionnelle heureuse, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vécu de cette marche. Okay. Rien que pour ça, pour moi, c'est une belle aventure. Ça a été un rêve en action. Et je fais la comparaison, parce que la marche, elle est née aussi avec derrière nous la mémoire de la marche des Noirs américains, des marches des Noirs américains, notamment la marche Washington, de la marche du Salut Gandhi. La marche Washington des leaders noirs, dont dans Martin Luther King, c'est aussi un grand rêve d'ailleurs, le discours de Iowa. C'est un grand rêve. Ce rêve, est-ce qu'il est réalisé? Ben non. Les États-Unis, la situation des Noirs aujourd'hui, elle est peut-être plus terrible qu'elle n'était, alors pas de la même manière, pas au plan légal. Mais au niveau du concret, la vie de la plupart des Noirs, elle est pire aujourd'hui qu'il y a 60 ans. Et en même temps, ce rêve, il est toujours vivant. Il fait toujours marcher des gens. Donc moi, ce que je souhaite et j'espère, et c'est pour ça que les commémorations me paraissent quand même utiles, c'est qu'on continue de faire vivre ce rêve en espérant que de temps en temps, le rêve trouve des applications. Thank you.